Laura Couvreur, bonjour. Alors, nous Bonjour. sommes sur le gentil petit marché de Parmieux. Vous avez un joli camion typé boucherie, charcuterie. Oui. Et puis là, vous voulez nous présenter votre pâte et croûte maison. C'est ça. Alors, à quoi est-il ce joli pâte et croûte? Eh bien, il est au porc, tout simplement. Et on en fait aussi un à la volaille et à la moutarde à l'ancienne. Il y a un petit truc, un petit secret? Ah bah si c'est un secret, faut pas le dire. Si, il faut toujours dire. Non, mais je veux dire une particularité, je sais pas, des épices, la façon dont vous traitez le On porc. met du 5 épices. Alors, le secret est un petit secret parce que le 5 épices, autant vous trouvez de 5 épices, autant vous avez de recettes différentes. Donc, C'est en ça. fait, vous nous avez donné les prémices d'un petit secret. Vous le mangez comment? Vous êtes pour ou contre les cornichons avec? Moi, je suis pas fan des cornichons, mais avec une petite salade verte, ça va bien. Et un petit vinaigre doux, un balsamique par Une exemple? petite vinaigrette, Une petite ouais, vinaigrette. toute simple. Une petite pomme de terre cuite à l'eau, Pourquoi pas? hein, Ouais. pourquoi pas? Et puis, vous êtes comme moi, vous buvez pas, mais vous préconisez quoi comme vin avec du blanc, du rouge? Un petit rouge. Quel vin, par exemple? Oh, je suis pas hyper calée en vin rouge, moi. Je dirais un Bordeaux, c'est très bien le Bordeaux. Oui, et vous savez qu'il y a des vins hein, dans la région. Ah ouais, alors moi, le vin, je bois très très peu. Eh bien écoutez, il me reste à vous remercier, vous souhaiter un bel appétit et puis de jolies ventes ici sur le marché de Parmieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Bougez pas.